24 mois 2022, 14e jour du Ramadan. Bienvenue dans votre flash d'information sur Malik Ounafoli. Nous partons à Douaza. À Douaza, une grande marché pacifique a eu lieu ce jeudi 14 avril 2022. La population est sortie massivement pour exprimer son mécontentement suite aux coupures intempestives d'électricité. Scandale à la mairie de la commune du district de Bamako. Les agents demandent le démarrage du maire Cheka Abagnaré. Cette mésentente a pour source les problèmes de paiement d'arrière des salaires, la privation des agents au droit à l'assurance maladie obligatoire AMO et l'Institution nationale de prévoyance sociale INPS et la signature d'un nouveau partenariat avec une société privée chargée désormais du découlement au sein de la commune. L'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, la police et la gendarmerie ont procédé hier, jeudi, à une signature de convention. L'objectif recherché est la sécurisation des usages de la route. Une femme âgée d'une trentaine d'années a donné naissance mercredi 13 avril 2022 à un quadruplé dans le village de Marikanibougou, commune de Bangidabou, cercle de Jekanfana. Mère des quatre nouveau-nés a accouché dans la concession familiale avant d'être transportée au CESCOM de la localité. Les enfants et leur maman se portent bien. Et enfin, nous partons à Kati. À Kati, des citernes ont pris feu aux environs de 15h à Kati Sanafara. Cet incendie a fait des dégâts matériels importants, mais pas de pertes en vie humaine ni de blessés. Fidèle abonné de Malik Ounafoli, c'était tout pour aujourd'hui et à demain, Inch'Allah.